Allez, c'est reparti, on tente de gagner cette cinquième victoire du jour avec le chaman à l'arrache. Le deck de en 2 minutes 30, donc contrôle, on contrôle un petit peu l'enregistrement, c'est parti, on cherche du player. Donc on pouvait le voir, il y a un peu d'habillage là qui commence un peu à se construire. Je pense que Raoul il va intégrer ça aussi, on lui a envoyé. C'est notre exemplaire Zenaïs qui nous fait tout ça. Votre âme sera à moi pour marteau du destin. Alors, ça je l'aime bien avoir, voilà, ça c'est sympa. Très bien. Pourquoi pas? Donc j'ai fait une bah. Oui, la partie démoniste qui s'est terminée à la fatigue que j'ai gagnée avec ce deck. Vraiment, c'était super limite. Alors, effet surcharge. C'est vrai que le fait de surcharge, ça pourrait alimenter ça, mais on va pas attendre. On l'a, on le joue. Et après, on a la pièce. On dit bonjour à la Salutations. dame. On est poli. Bien joué. Il me dit bien joué. Bah, c'est vrai que savoir ça en première main. Bon voilà, il me défonce, hein, c'est normal. On espère toujours, parce que ça fait 6 points, c'est Furie des Vents. Bam bam, moins 6, bonjour. Au revoir. Du coup, bah, voilà, j'ai plus de mana, donc je peux juste pleurer. Que faire? Pas pleurer parce qu'il y a du monde. Non, on est déçu quand même, hein, on aurait voulu que ça passe. Pour la peine, on va tout casser. Donc j'en ai deux dés comme ça maintenant. Et on le met. Bazingo, ouais. Bon. Si je mets le Fury, on va faire. Bah non, on va. Non, on meurt pas. Ah, mais on meurt pas, c'est vrai, il donne 3 pour 4. Je me demande. Pourquoi pas? Pour s'en débarrasser. Déjà. Ah, je peux même faire ça, dis donc. Ah ouais, mais ça change rien. Ça change rien parce que ça lui fait 2, ça fait 4. Et là, on pourrait lui l'avoir en un coup et retaper sur l'autre. Mais non, parce qu'on est obligé de commencer par lui. Nous avons peu de temps. Pourquoi j'ai que 2 moi? Bah non, hein, faut faire ça, du coup. Allez! C'était chaud. Avec l'interface, des fois, quand ça répond pas assez vite, on s'en sort. Parce que celui-là, sinon, il se faisait dégommer. J'aurais été... Ah, il se refait dégommer quand même. Dommage. Bon, pas bon. Je sais pas si c'est rentable, mais. Puis j'en ai pas deux, je crois, de ce totem, je crois que j'en ai qu'un. Absolument, j'en crée un. J'en fabrique un. Alors, allez. Alors, c'est pas top. On va remettre lui, 2, 4. Un point de dégâts.
c'est tout. C'est pas un deck que je pense qu'il pouvait gagner, mais en fait il résiste bien. Alors je suis le premier étonné. Bon, le chaman c'est fort, hein, c'est... les cartes chaman sont bien. Les cartes démonistes aussi. Bon là on a que dalle. Hein. Heureusement qu'on a le totem. Et puis voilà. Ouais, le totem de la pioche là pour avancer un petit peu. Parce que lui il peut piocher, il peut perdre des points de vie, moi je suis déjà à 21. Puis en plus il se déchaîne. Oh là là là. Ouais, je la sens mal. Ah si j'en ai deux. J'en ai quand même deux. Et là c'est. Ça va pas servir à grand chose. On totémise. Si je le mets au milieu, ça fait évidemment 2-2. Et lui, il va me taper dedans. C'est de rage, furie des vents et un attaque, et vas-y. Il va falloir qu'on. On peut faire ça. Et donner provocation à. À lui, tiens. Qui fait des dégâts. Et puis donner des points de vie. Puis alors et geler. Et plus de cartes quoi, c'est le gros problème. Donc là ça me paraît loose, hein. Faudrait vraiment avoir du top deck à chaque fois. D'avoir la bonne carte qu'on pioche à chaque tour. Mais là, c'est juste de la résistance. Il est détruit. Ils aiment pas. Bon, ils se plantent dessus. Pioche, comme un goré. Pour la croisade. Qu'est-ce que vient faire? Ça c'est pas roleplay ça. Un bouclier divin croisé écarlate face à un démoniste. Ça va pas du tout. Avec un paladin, je veux bien. Avec le clair, why not? Avec un démoniste. Non, non, ça joue pas roleplay. Moi, j'abandonne. Ah! Bon, est-ce qu'il arrive bien, lui? Que faire? Ouais, lui, Fury, faudrait qu'on se le. Bon, bah, déjà, on va se le faire. On fait 6. Déjà. Vous n'êtes pas prêt. Un totem. Ce qui normalement nous fait un jeton. Non, pas du tout. Ça marche qu'avec les cartes. Donc on lui tape dedans. Travail terminé. Pas mon totem. Et mon totem est mort puisqu'on lui avait mis. Ah, Ragnaros. Je l'ai énervé avec. Avec mon Illidan. Oh là là là. Bien bien. Je peux pas le jouer. Je ne peux pas faire ça. Et voilà. Travail terminé. Bon là. Pourquoi je joue pas en partie classée les mecs là avec ces decks? Laissez-nous jouer en partie tranquille là, un peu lol. Mauvais espoir. Non mais là. Ça ne sert à rien, on est d'accord. Parce que ça envoie en fait un adversaire aléatoire. Ah oui, c'est que ça attaque pas, ça envoie. Donc je suis pas encore mort. Hein. Plus 3 serviteurs, est-ce que je peux taper moi direct dedans là? Et prendre 4.
Non. Que faire? Allez, on va jusqu'au bout pour voir ce que ça. C'est à la fin du tour qu'il envoie ses dégâts, lui. Ouais, je m'y mets tout de suite. Ah bah comme ça, aléatoire, tu parles. C'est joli, hein. J'ai fait de la surcharge, moi, en plus. Travail terminé. Bon, bah on est obligé de concéder, hein. Bien joué. Ah, ça passe pas, ça passe pas. Dommage, parce qu'il y en a une qui était belle et qu'on n'a pas enregistrée. Eh bien, à bientôt pour ces nouvelles loses. Pour les prochaines loses. Allez. Ah, plus qu'une. Bon, je vais peut-être la faire. Il me reste quoi? C'était démon. Chaman. Ou démo, quoi. J'insiste avec mon chaman. Peut-être que je le change un petit peu. Bon, à plus tard. On se rappelle.